Bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va faire un gâteau très très simple et rapide à faire. Vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi il est rapide à faire. Parce qu'on va faire une grosse quantité d'un seul coup, comme ça. Pour ce gâteau, il vous faut 500 g de farine. Peut-être je vais utiliser moins. Donc l'histoire de la farine, c'est toujours pareil. Si elle absorbe, ben, je vais utiliser moins. Si elle absorbe pas, je vais utiliser la totalité. Voilà, donc on commence par 500 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 150 g de sucre en poudre, 160 ml d'huile, 3 œufs, le zeste d'une orange, ou si vous préférez le zeste de citron. J'ai des fruits confits, un petit peu d'amandes effilées, de la confiture d'abricot. Vous pouvez utiliser la confiture qui vous plaît, une petite pincée de sel. Voilà, on passe à la recette. Alors, pour la pâte, moi je vais utiliser mon robot. Si vous utilisez pas de robot, ben, vous pouvez la faire à la main, il n'y a pas de souci. Donc, dans le bol de robot, j'ai mis mes œufs. Je vais mettre mon sucre vanillé, mon zeste d'orange. Je vais mettre le sucre, l'huile. Je vais mélanger tout ça d'abord. Voilà, donc maintenant je vais mettre ma petite pincée de sel, ma levure chimique. Donc ma levure chimique, elle pèse 15 grammes. Je mets ma levure chimique et je vais commencer par mettre juste la moitié de ma farine. Je vais commencer à pétrir ça et je vais voir comment elle va, ma pâte. Donc voilà, avec la moitié de la farine, vous voyez que j'ai une espèce de pâte comme une pâte à cake. Donc c'est pas ce que je veux. Je vais mettre maintenant le restant de ma farine. Donc je mets les 500 grammes prévus et après je verrai ma pâte comment elle est. Voilà, donc avec les 500 grammes de farine, ma pâte elle est nickel. C'est comme ça que je la veux, comme une petite pâte sablée. Elle colle un tout petit peu à la main, mais elle reste pas sur mes mains. Voilà. Quand vous faites comme ça, elle colle à la main, mais il n'y a rien qui reste sur mes mains. Voilà. Comme ça, vous savez au moins la consistance de la pâte, s'il vous faut de la farine ou pas. Donc, je vais débarrasser ma pâte d'ici, je vais la sortir. Voilà, donc maintenant je prends ma plaque qui va au four. Je la tapisse d'un papier cuisson. Je vous ai déjà donné la petite astuce pour que le papier cuisson il adhère bien à la plaque. Juste, vous mouillez votre plaque un tout petit peu, vous posez le papier et voilà, comme par magie, le papier il bouge plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma pâte. Je vais la mettre ici. Donc maintenant, vous avez qu'à étaler votre pâte bien comme il faut pour qu'elle prenne la forme de votre plaque. Encore une petite astuce. Pour pouvoir étaler votre pâte bien comme il faut sans qu'elle vous colle à la main, juste mettez une petite goutte d'huile sur les mains. Et ça y est, et le tour est joué. Voilà, donc essayez de bien égaliser votre pâte. Ne laissez pas un côté plus épais que l'autre, sinon les gâteaux, il n'y a aucun qui va ressembler à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre confiture. Alors la confiture, je ne vous dis pas combien il vous faut parce que ça dépend votre plaque,
Ça dépend comment on a étalé la pâte. Donc là, moi, je suis sûre et certaine que je vais rajouter de la confiture. Donc voilà, on va étaler de la confiture sur toute la surface de la pâte. Alors, confiture sans morceaux. Ou si vous avez les morceaux, mixez la confiture. Moi, là, je n'ai pas de confiture sans morceaux. Et du coup, là, j'ai oublié de mixer la confiture. Et là, j'enlève les morceaux. Donc, il faut une confiture sans morceaux. Ou sinon, juste on mixe la confiture qu'on a. Voilà. Maintenant, après la confiture, on va prendre les fruits confits et on va en mettre de partout aussi. Voilà, en fait, on fait comme si on est en train de faire une pizza, mais sucrée. Voilà, on va mettre les fruits confits et après, je vais venir mettre les amandes effilées. Voilà, donc j'ai mis aussi les amandes effilées. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'amandes effilées. Il y a plutôt plus de fruits confits. D'où les 100 grammes de sucre dans la pâte. Donc pour 500 grammes de farine, 100 grammes de sucre, c'est pas beaucoup. Parce que je savais que j'allais mettre les fruits confits et la confiture. Maintenant, juste, je vais venir juste appuyer un tout petit peu avec ma main, comme ça, pour faire adhérer les fruits et les amandes. Juste comme ça. Pas trop non plus pour ne pas soulever tout ce que j'ai fait avec ma main. Et je vais les mettre au four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que ça cuit. Alors, je ne sais pas combien ça va me prendre de temps, mais il faut surveiller le four. Ça va prendre peut-être 15, 20 minutes, peut-être moins. Je vous retrouve juste après pour la suite de la recette. Voilà donc mon gâteau. Je l'ai sorti du four. Franchement, il m'a pas pris beaucoup de temps au four. Je crois une quinzaine de minutes. Maintenant, je vais enlever tous les côtés. Je vais le parer. Couper tous ces côtés-là. C'est pas joli. Voilà, maintenant que je l'ai paré de tous ces côtés, j'ai fait un petit gabarit avec du papier cartonné. J'ai fait 5 cm. Vous faites la taille que vous voulez. Et je vais venir prendre juste la mesure. C'est juste pour avoir des gâteaux tous de la même taille. Voilà. Et après, je vais tout couper. Je veux des carrés. Donc, je vais couper dans ce sens. Après, je coupe dans l'autre sens. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Voilà le résultat de mes petits gâteaux. Alors, maintenant, je crois que vous avez compris pourquoi je vous ai dit on va faire un gâteau rapide à faire. Donc là, j'en ai eu pour 40 petits morceaux de gâteau. Donc on a fait 40 gâteaux d'un seul coup. Alors voilà le résultat quand on coupe. Moi, j'ai choisi de faire 5 cm sur 5 cm. Après, c'est à vous de choisir. Donc 5 cm, je trouve déjà que c'est un beau gâteau. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Tout à l'heure, quand j'ai étalé la pâte, j'ai oublié de piquer ma pâte avant de mettre la confiture. Alors ne faites pas comme moi. Piquez votre pâte dès que vous l'avez étalée. Voilà, donc je vous montre le gâteau. Voilà comment il est. Voilà. J'ai oublié, il fallait que je vous montre comment il s'effrite, mais je vais pas prendre ce morceau, je vais prendre de ceux-là que j'ai encore de côté parce que là j'en ai juste une trentaine. Voilà, je vous montre comment il est. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, vous voyez, il est. Regardez la pâte, comme elle s'effrite. Elle est excellente. Voilà. J'espère que la recette, elle vous a plu. Vous allez l'essayer. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps pour le faire. Je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Au revoir.